Je sais pas du tout ce que ça va être les récompenses commémoratives, mais à partir du moment où je pense que ça va être des charmes. Salut Virus Gamer, comment tu vas? Ça sera forcément sur tous les tueurs et tous les survivants. Salut Foxop. Après peut-être qu'ils nous mettront un skin, j'en sais rien. Mais moi tout ce que je sais c'est que je veux les récompenses quoi. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ce générateur il ne faut absolument pas le faire si vous ne connaissez pas l'identité du tueur. Parce que si vous connaissez pas l'identité du tueur, vous n'avez aucune protection. Donc si Cannibal ou Hillbilly arrive, vous êtes mort. Sauf si vous avez course effrénée. Donc c'est pour ça que ce générateur, vous ne devez en aucun cas le réparer au début. Il faut attendre de savoir l'identité du tueur. Donc moi, je l'ai juste un peu commencé, histoire que le tueur, s'il passe à côté, il se dise « Ah, il y a peut-être quelqu'un parce que le gène a été entamé. » Alors qu'en fait, non, je me suis juste barré, quoi. Je l'ai juste entamé un petit peu. Ça, c'est important des fois d'entamer des générateurs, aussi pour faire croire au tueur que vous êtes dans les parages, et aussi pour permettre aux survivants de les entendre. Par exemple, sur les petites maps comme Midwish, Leri ou des choses comme ça, c'est Trickster le tueur. Il faut pas hésiter à réparer des petits générateurs quand vous les croisez, mais pas forcément de rester dessus. Parce que ça dépend où vous êtes, mais si vous êtes suivi par le tueur ou qu'il est pas très loin ou quoi, vous pouvez entamer un petit générateur dans les riz ou Midwish ou des pâmes d'intérieur. Ça permet aux survivants qui passeront à côté de savoir qu'il y a un générateur puisqu'ils vont entendre le bruit du générateur. Donc ça c'est super important. Parce que sur ces petites maps, c'est très dur de trouver des générateurs. Donc la moindre indication est la bienvenue. Hier soir, j'ai surtout eu un enfer à tenter de jouer l'infirmière pour la première fois. Heureusement, je suis tombé sur des trolls qui ont joué sans objectif de sortie. J'ai eu l'adepte. Magnifique, Adrieste. Tu vois, ça, c'est les meilleurs games. Quand t'affrontes des gens qui s'en foutent de sortir et qui veulent juste, je sais pas, safe flash ou des trucs comme ça. C'est trop bien parce qu'au moins, t'as des chases. Même s'ils te font 4000 safe flash ou 72 000 stun ou des trucs comme ça, on s'en fout parce que bah, tu peux jouer, tu t'entraînes, tu essayes de t'améliorer. C'est les meilleurs games, ça. Mais effectivement, ça a aucun objectif particulier. C'est-à-dire que quand tu veux vraiment essayer de faire des kills parce que tu penses que les kills, c'est la vie, bah ouais, tu te fais chier, quoi. J'ai envie de rejouer, mais je peux plus sur PC. Je suis obligé de DL sur console. Ah ouais. Tristesse, comment ça se fait que tu peux plus sur PC? Bizarre, ça. Par exemple, moi, ce que je trouve dommage dans DBD, le truc le plus dommage pour moi, c'est que la plupart des survivants n'arrivent pas à comprendre que des fois, les tueurs, ils veulent juste jouer normalement. Ils veulent juste jouer, en fait. Et des fois, tu vois, les survivants, ils vont le teabag ou le click flash et tout. Alors que le mec, il veut juste jouer au jeu vidéo. Tu sais, il est tranquille et ça se trouve, il a son petit kawa dans la main gauche. Il est peinard, il se déplace tranquille. Il envoie ses petits kunai, ses petits trucs. Il est peut-être tranquille, tu vois. Et les gens, ils veulent, je sais pas, ils ont l'impression que le tueur, il donne sa vie. Alors que non, il joue tranquillou, tranquillette. Il a pas un très bon niveau, il s'en fout, il est peinard. Et ça, c'est chiant. Et c'est pareil en tueur. Je déteste aussi, c'est quand t'as des tueurs. Quand ils jouent tueur, t'as l'impression. Tous les survivants sont des enculés. T'as l'impression que tous les survivants veulent absolument se foutre de la gueule du tueur ou ont, je sais pas, envie de, d'être toxique à ses yeux ou j'en sais rien. Et t'as l'impression que le tueur, c'est genre. Tous les gens contre lui sont les plus méchants du monde. Et ça, c'est ça qui a fait un fossé, je pense, dans le jeu aussi. Parce que je trouve ça trop dommage. Tu vois, le Trickster, je sais pas comment il joue, j'en sais rien, mais je dis ça parce que hier, il y a une game. Merci Arcadia pour ton sub. 15 mois de soutien, Arcadia, ça fait trop plaisir. Ça, c'est gentil. Merci à toi Arcadia, c'est adorable. Merci beaucoup. Parce que hier j'ai fait une game où justement mes mates ils ont teabag un pauvre dragage qui a fait un hook sur 5 générateurs. Et l'excuse c'était de dire qu'il avait face camp. Mais le mec il a fait un hook, il avait déjà perdu 4 gènes. C'est normal qu'il reste devant toi, il va pas se barrer. Et encore s'il pourrait se barrer et tout, mais bon. C'est pas grave, je veux dire, le mec a rien fait. C'est pas comme si c'était un dieu vivant qui avait full tunnel face camp. Là, si c'est un dieu vivant qui full tunnel face camp, bon, et que le Nesca il teabag, bon, je me dis, bon, si tu veux, ouais, même moi, je le ferai pas, mais bon, si tu veux. Et au final, le tueur, lui, il voulait peut-être juste faire un défi, peut-être juste son adepte, peut-être juste un battle pass, un truc, tu vois. Et nous, les survivants, on est comme des en train de se moquer de lui et tout, ou en train de le teabag, alors que le mec, il veut juste jouer au jeu vidéo, quoi. Et c'est ça qui me fait chier dans DBD, c'est ce rapport de. Je sais pas, où on a l'impression que bah, quand le tueur joue tueur, tous les survivants sont des connards qui veulent son mal, alors que pas du tout, il y en a qui veulent juste jouer tranquille, qui veulent juste, je sais pas, faire des chases, faire des gènes, tranquille, je veux peinard, sans le moindre once de toxicité, tu vois. Et pareil en survivant. Peut-être le tueur, il veut juste jouer peinard, tranquillou. Et ça, c'est dommage. Parce que du coup, ça catégorise tout le monde, tu vois. C'est-à-dire, dès que tu vas jouer survivant, tu vas considérer que le tueur, c'est un chien. Dès que tu vas jouer tueur, tu vas considérer que les survivants sont des chiens. Et ça, c'est pas cool pour le jeu. Toi, tu sais quand est-ce qu'il y aura le mid-chapter Attaque des Titans? Bah, normalement, c'est dans une ou deux semaines qu'il y aura les charmes d'Attaque des Titans, parce que ce sera à la sortie du chapitre intermédiaire. Attention, je vais activer nos aides. Hier, en N13, les mecs, à la fin, laissent un de leurs mates sur le crochet P1P3. Ils sortent à 3 et ils mettent Easy et T-Bag alors que je joue chill. Mais tu vois, Formaguette, c'est ça le problème. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont nuls. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'ils sont incapables de déterminer si le tueur a un bon niveau ou pas.
si le tueur joue shield ou pas, si le tueur a un défaut de map ou pas. Moi, tu vois, je dis pas que je suis très fort sur le jeu, je suis pas très fort, il y a beaucoup de choses que je sais pas faire. Et quand tu me mets un vrai tueur en face de moi, je tombe en 2 secondes. Peu importe le tueur, peu importe qui c'est en face, si le mec il sait jouer, je tombe en 2 secondes, point final. Mais j'arrive absolument à déterminer quand un tueur il joue chill en mode peinard, quand un tueur il joue en mode bah, tranquillou, tranquillette, quand il a pas un bon niveau, quand il est un défaut de map, quand il veut tunnel, quand il veut pas tunnel, quand il est obligé de tunnel parce qu'on lui fait un totem sous sa gueule. Tu vois, j'arrive à déterminer tout ça. Donc je sais à peu près quand est-ce que... Enfin, j'ai l'impression de savoir à peu près quand est-ce que bah, y a un tueur ou des survivants qui sont là pour faire chier ou pas, tu vois. Et le problème, c'est que tes survivants qui t'ont anti-bag et qui t'ont kill flash, eux, ils savent pas jouer. Parce qu'ils savent pas déterminer quand est-ce que le mec joue chill ou pas. Et à partir du moment où tu sais pas déterminer ça, bah, t'es pas bon sur le jeu vidéo. C'est automatique. Ah, je crois qu'il m'a repéré un petit peu tard, mais... Ah, il m'a repéré, mais il s'en fout, hein, il me laisse passer, mais c'est gentil, ça. Ou alors, il m'a peut-être pas capté, enfin, il m'a vu, mais il m'a peut-être pas calculé, j'en sais rien. J'avoue que je saurais pas dire. Je vais me remettre là, hein. Normalement, ça peut pas passer, hein. Là, je risque de tomber en me remettant là, mais... S'il pense pas à regarder... Vraiment, si, quand même, ce serait quand même étrange. C'est quand même étrange de pas y penser, quoi. Ah, c'est une petite stratégie de save, hein. Il y a pensé, c'est sûr. Y'a pas de soucis. Oula, 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 oula. Va falloir apprendre à viser par contre. Va falloir un petit peu apprendre à viser juste un peu, mais. Le pauvre, il essaie de faire ce qu'il peut. En plus, il a la donne de one shot. En gros, je vais vous expliquer ce que c'est la donne de one shot. Quand il te met les 5 kunai, t'es one shotable et si tu es M1, tu tombes à terre. Enfin, il te met les 4 kunai, pas les 5. Que les 5, ça te blesse. Donc, c'est les 4 kunai. Bon. Les charmes seront payants, ce sera une récompense gratuite. Je crois que ça a l'air d'être une récompense de connexion. On va juste te connecter et tu auras le charme. Ouais, mais je crois que tu peux mettre une offrande même si tu fais l'adepte. Ouais, peut-être en faisant l'adepte, tu peux mettre une offrande, je sais pas du tout. Il a souvenir toi de moi, c'est pas bête. Peut-être gardien du sang aussi. Salut JMD, comment tu vas? C'est la forme? Ah merde, je t'ai pas vu arriver. T'es en train de boire mon kawa, tranquille. Il a bien joué, il m'a forcé à sortir. Je voulais pas sortir. Je voulais juste me mettre proche de la sortie au cas où il me tape et ça me fasse sortir. Mais bon, ça aurait pas changé grand chose. Bon, j'ai pas super bien joué, j'ai pas pu aider trop les collègues. Bon, j'ai quand même des bouquins à la cave, mais... Hey, volonté de faire, tu l'as pas. Ça m'étonnerait qu'il te capte pas. En plus, on voit ta flash dépasser, mais. Il ramasse. Vas-y, 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 vas-y. Dans tout, dans tout, dans tout, dans tout. Oui. Mais pourquoi tu t'ibagues? Bien joué, bien joué. T'ibagues pas, t'ibagues pas. On ne t'ibague pas un joueur qui fait un hook sur... alors qu'on a fait 5 gènes. C'est une loi. C'est une loi maintenant. Sur DBD, il faut la créer, la loi. Je vais demander à tous les streamers de la prouver. On ne t'y bug pas un mec qui a fait un hook sur 5 gènes. C'est un... Non, c'est... Non, non, on le fait pas. 3800 heures. On ne t'y bug pas un mec qui a fait un seul hook sur 5 générateurs. C'est une loi maintenant. C'est une loi martiale. Je la donne. C'est une loi. Salut Cathy, ça va très bien et toi? Moi, simple, on t-bag pas tout court. Oui, bien sûr, moi je t-bag jamais. Mais voilà, on t-bag encore moins un mec qui a fait un hook sur 5 gènes. Surtout pas, quoi. Non, le mec, il devrait pas être dans le matchmaking, tu vois. S'il fait un hook sur 5 gènes, c'est qu'il devrait pas être dans le matchmaking.